Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo qui fait suite à celle publiée sur ma chaîne, on va approfondir le thème du stockage de fichiers et de données sur ADN. Donc cette vidéo est réalisée à la demande de EcoScience Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est propulsée par PlayAzurProd. J'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Marc Antonini qui est directeur de recherche CNRS à I3S, laboratoire d'informatique signaux et systèmes de Sophia Antipolis, de l'Université Côte d'Azur et du CNRS. Alors Marc Antonini a récemment obtenu une médaille de l'innovation du CNRS. Il coordonne le PEPR Molecule Archive et est président du groupe de travail JPEG-DNA. Donc tout ça, on en reparlera sûrement plus tard. Alors le stockage de fichiers sur ADN, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, l'idée c'est de stocker des données et des fichiers, généralement des fichiers d'archives, en s'inspirant du vivant et donc en utilisant des molécules d'ADN qui permettent de stocker avec une très grande capacité dans un volume beaucoup plus réduit que des disques durs par exemple. Alors bonjour Marc. Bonjour. On peut se tutoyer ? Oui, pas de problème. Ouais. Alors pour commencer, je me demandais si tu pouvais peut-être me parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à faire ces recherches sur ce sujet passionnant. Donc je suis rentré au CNRS en 1993. Et mon activité, en fait, concerne la compression des images. Alors, images au sens large, hein, donc images fixes à l'époque, puis ça s'est orienté vers la vidéo, et les données 3D. Données 3D, donc maillage surfacique, nuage de points. Durant mon activité, en fait, j'ai pas mal collaboré avec des industriels, et aussi avec le CNES de Toulouse, donc le Centre National d'Études Spatiales, et nous avons développé des solutions de compression bord pour la constellation de satellites Pléiade. J'ai fait aussi pas mal de standardisation avec Orange Labs et donc la standardisation MPEG, et aujourd'hui aussi en standardisation JPEG. D'ailleurs, des travaux de ma thèse ont aussi été standardisés dans la norme de compression JPEG 2000. Donc mes activités de recherche, en fait, depuis que je suis au CNRS, donc c'est une partie du traitement de théorie de l'information, donc c'est le traitement du signal, le traitement des images, et on développe des algorithmes qui permettent de comprimer les données, donc les données images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher à réduire le coût d'une image en termes nombre de bits, quand on travaille sur des données binaires, tout en préservant au maximum la qualité et l'information portée par l'image. Donc c'est ce qu'on appelle, alors pour être rentré un peu dans le jargon, c'est de l'optimisation débit-distorsion. On va diminuer le débit de stockage ou le débit de transmission, ce qu'on appelle le coût, et on va maximiser la qualité ou minimiser la distorsion, l'impact de l'opération de compression que l'on va faire sur cette image. Alors à titre d'exemple, vous utilisez JPEG sur votre téléphone portable. Eh bien, JPEG, c'est une solution de compression qui permet justement de diminuer le coût des images que vous allez prendre avec votre appareil photo de façon à en mettre le maximum possible sur votre téléphone portable. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on peut en fait stocker des milliers, voire des dizaines de milliers d'images sur un smartphone qui est de petite taille en termes de capacité de stockage, par exemple. D'accord. Et alors, je me demandais quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui te motive à faire des recherches dans ce domaine particulier? Qu'est-ce qui t'a peut-être amené à faire ça pendant tes études? Et aussi, je sais que tu diriges une équipe de recherche, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors, en fait, je dirais la compression, c'est peut-être un peu le hasard. Moi, j'ai une formation de plutôt traitement de signal, enfin électronique à la base, informatique et traitement du signal. Et puis, c'est en faisant un stage au laboratoire à l'université, donc où on m'a proposé de travailler à l'époque sur de la compression d'images. Alors, effectivement, à cette époque-là, je dirais il y a un peu plus de 30 ans maintenant, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas toutes ces images numériques hein, qu'on voit tous les jours. Hein. On était plus dans la mouvance du codage audio, de la parole. Et donc moi, j'étais plus motivé pour faire ça. Et puis on m'a convaincu que en fait, il y avait des choses à faire là sur ce nouveau sujet de compression d'image. Et donc bon, j'ai dit oui. Et puis donc je me suis embarqué dans cette aventure. J'ai fait mon stage de master et ensuite ma thèse de doctorat sur ce sujet.
Et depuis, donc, je travaille sur la compression. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. On a tendance à dire que la compression, en fait, les bandes passantes des canaux de transmission augmentent, la taille des disques durs augmente, mais qu'on n'a plus besoin de compression. Ben non, c'est pas vrai. On en a toujours besoin parce que la quantité de données aussi augmente. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une croissance exponentielle qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à absorber toute cette quantité de données. Donc, quelque part, il faut comprimer l'information pour tout type d'information, que ce soit les fichiers numériques qu'on manipule, hein, les PDF par exemple, que ce soit, alors vous connaissez les formats zip par exemple pour comprimer des données, le MP3, donc le JPEG pour les images, MPEG ou H.264, HEVC maintenant pour la vidéo. Donc dans tous ces domaines en fait, que ce soit l'image, la vidéo ou le texte, le son, l'audio, la donnée est comprimée parce que on a besoin de ce gain de place pour pouvoir stocker de plus en plus d'informations. Dans votre smartphone, vous pouvez stocker des milliers, voire des millions de fichiers. Et c'est grâce à la compression, parce que si vous comprimez pas l'information, eh bien, vous ne pourrez pas en mettre autant. Donc ça, c'est toujours ce qu'on appelle un compromis entre le coût de stockage. Alors nous, on parle de qualité, hein, de qualité de données en fait comprimées et de son coût de stockage. Donc on accepte en fait quelque part en faisant de la compression, on accepte que l'on va perdre de l'information sur la donnée que l'on va comprimer, parce qu'on parle nous de compression avec perte. Mais cette information qu'on va perdre, justement, c'est là où intervient, enfin, où vient notre travail en fait. Eh bien, elle est contrôlée justement par rapport au type de données qu'on va comprimer. Par exemple, si on comprime de l'image, eh bien, on va essayer de faire en sorte que les erreurs de compression qu'on va mettre, la perte d'information, ne soit pas vu par l'œil humain. Donc on va D'accord, en sorte, hein, les images par exemple sur vos smartphones, quand vous les stockez avec une bonne qualité, bien elles sont pour vous comme des images originales, et pourtant elles ont un bruit quelque part, mais que votre œil ne voit pas. C'est pareil pour l'audio, hein, l'audio aussi, il y a du bruit, mais l'oreille ne l'entend pas parce qu'il y a un effet de masquage en fait qui est pris en compte dans les systèmes de compression. Et c'est ça qui est très intéressant quand on fait de la compression, parce qu'à la fois on est sur des aspects fondamentaux, ce qu'on appelle la théorie de l'information, mais aussi sur des aspects applicatifs derrière, et on doit mélanger un peu les deux, c'est-à-dire prendre en compte en fait quelque chose qui est un ressenti, hein, un ressenti visuel, un ressenti audio si on fait de la parole, du son. Et le transcrire en fait dans un côté alors théorique, alors mathématique, maths appliquées et informatique. Dans ce contexte, donc au laboratoire, je dirige une équipe en fait. On est à peu près une quinzaine de personnes, donc on est cinq permanents, quelques doctorants et quelques stagiaires en fait, qui travaillons en fait sur tous ces aspects de compression. D'accord. Et donc juste pour revenir un peu sur le thème de la vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc la vidéo animée sur ma chaîne. Donc on parle ici d'optimiser le stockage de données, non plus sur des disques durs ou sur des stockages standards pour ordinateur, mais sur de l'ADN ou des molécules de polymères artificiels. Et donc est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les étapes? Et en fait, comment aujourd'hui on parvient à stocker des fichiers sur de l'ADN notamment? Alors déjà, je vais peut-être faire un petit rappel. Hein. Donc ça, aujourd'hui, enfin, ça c'est un peu l'état de l'art. Hein. Donc ça, c'est un disque dur. Donc ça, c'est un téraoctet de données, on va dire, aujourd'hui. Donc on veut stocker sur ce genre de choses. Alors il y a des disques durs plus compacts, hein, en SSD, évidemment. Mais enfin, disons que ça, c'est un état de l'art instant T. Alors ça, je voulais montrer ça aussi, parce que ça, c'est quand même c'est le passé. Hein. Alors on en mettait beaucoup moins qu'un téraoctet là-dessus, hein, c'est quelques mégaoctets. J'y reviendrai après sur ça, justement par rapport à l'ADN. Aujourd'hui, dans les data centers, les centres de données, eh bien, on stocke sur des LTO, hein, donc ce sont ce genre de bandes magnétiques en fait. Donc sur une bande de ce type-là, on peut stocker 20 téra à peu près 20 téra de données. Et alors, ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'il y a une croissance exponentielle de la donnée. C'est-à-dire aujourd'hui, la quantité de données sur la planète, alors à l'horizon 2025, c'est à peu près 100, allez, je dirais aujourd'hui même, c'est peut-être 200 étaoctets de données. Alors 200 étaoctets de données, si on devait stocker ça sur des disques, alors l'équivalent d'un disque Blu-ray, donc c'est une espèce de DVD en fait, hein, donc
pour ceux qui connaissent pas, donc, mais qui on code des films aujourd'hui hein, dessus, et 200 étaoctets de données, en fait, qui représenteront d'ici l'horizon 2025 la quantité de données sur la planète. Si on devait les stocker sur des disques Blu-ray, eh bien, on pourrait fabriquer 23 piles de disques Blu-ray dont la hauteur serait égale à la distance Terre-Lune. Ah ouais. Donc, et cette donnée, en fait, elle est croissante de façon exponentielle. C'est-à-dire que 2030 et au-delà, eh bien, on aura beaucoup plus de données à stocker. Donc, évidemment, on pourra créer beaucoup plus de piles de façon équivalente. Alors, l'idée, c'est pas de créer des piles de disques jusqu'à la Lune. Donc, aujourd'hui, on construit des data centers, des centres de données. Les centres de données, alors tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc, ce sont des endroits où on va stocker les données. Donc, alors des données de tout type, les données dites chaudes, c'est-à-dire les données que l'on va accéder régulièrement, donc des emails qui sont tout frais ou des fichiers sur lesquels on travaille, mais aussi des données que l'on appelle données froides. Par exemple, vos vieux emails que vous regardez plus depuis 5 ans, voire plus, et qui sont dans votre boîte mail, vos vieilles images peut-être sur Facebook que vous regardez jamais, mais qui sont là, et que les data centers doivent stocker. Après, de façon plus, je dirais plus, enfin, moins ludique, ce sont tous les documents, les documents légaux, par exemple, que l'on doit préserver, donc tout ce qui est actes notariés, documents bancaires, documents en médecine, donc où on a des durées légales qui peuvent être d'une vingtaine d'années, voire plus. Donc cette donnée, on sait qu'elle est déjà à la base une donnée froide, c'est-à-dire qu'on va stocker pour le long terme, et c'est une donnée que l'on va jamais accéder, auquel on va jamais accéder, ou peut-être rarement. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, et ces données-là, évidemment, la croissance est exponentielle. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on construit de plus en plus de data centers. Donc quel est l'impact? L'impact est environnemental, puisqu'un data center, en fait, c'est énergivore. Ça consomme énormément d'énergie. Il y a un impact au sol, évidemment, puisque ça est obligé de détruire des champs pour construire des data centers. Mais c'est aussi un impact énergétique extrêmement, extrêmement fort, extrêmement grand. Pourquoi? Eh bien, par exemple, ce genre de matériel, donc ces bandes magnétiques ou les disques durs, ont des durées de vie qui sont limitées. Et donc, pour pérenniser l'information, on est obligé de recopier régulièrement sur des nouveaux supports l'information qui est stockée. En l'occurrence, pour les disques durs, c'est 5 ans. Chaque 5 ans, eh bien, on va faire une migration de la donnée de façon à la préserver pour éviter que s'il y a un crash de disque, eh bien, on puisse retrouver la donnée. Alors je dis chaque 5 ans c'est la durée du disque dur, mais il y a tellement de données que ces migrations se font en permanence en fait. D'accord. Ah oui. Donc c'est énergivore, on risque de perdre la donnée, et ensuite il faut recycler le disque dur, l'ancien disque dur en fait, on va le jeter, on va le recycler, donc il y a des... Voilà. Et ça consomme énormément d'énergie, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde la quantité de gaz à effet de serre en fait qui est émise par justement tout le numérique, alors ça englobe le data center mais pas que, hein. Eh bien c'est l'équivalent du trafic aérien, on est à peu près entre 10 et 11% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que voilà, c'est un impact énergétique qui est assez assez violent. Et donc on s'intéresse évidemment, on s'est intéressé, on cherche des nouvelles solutions pour justement pallier ce problème et surtout donc trouver d'autres supports de stockage que ces stockages énergivores comme les disques durs ou les bandes magnétiques. Alors il y a pas mal de choses qui sont étudiées et je dirais le plus intéressant aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le stockage sur ADN synthétique, c'est-à-dire utiliser de l'ADN synthétique. On parle pas de vivant, hein, on parle d'ADN qui a été synthétisé, alors qui a les mêmes propriétés hein, qu'un ADN vivant, mais c'est pas vivant, c'est pas la vie. Une molécule inerte. Voilà, inerte. Il n'y a pas de séquence codante, en fait. Il n'y a pas de gène. Et l'idée, c'est de stocker sur ces molécules, en fait, de l'information numérique. Alors, on a un recul de plus de 10 ans maintenant sur ce savoir-faire, puisque les premières réalisations ont été faites en 2012, donc par les travaux de George Church, où il avait stocké, en fait, de l'information numérique sur des molécules d'ADN. L'idée est beaucoup plus vieille, hein, c'est Feynman, hein, dans la fin des années 50, hein, donc où il a émis l'idée de préserver donc de l'information sur des molécules. Et donc l'état de l'art, je dirais, voilà, aujourd'hui, c'est ces petites capsules, hein,
Donc ça Ah oui, serait c'est l'énergie. l'équivalent d'un disque dur voilà, du futur. Hein. Ces capsules-là pourraient contenir à peu près. Alors, on met de l'ADN à l'intérieur. Donc, on met de l'ADN qui est déshydraté, donc à l'abri de l'eau, de l'oxygène, de la lumière. Donc, il est mis dans un gaz inerte. Et la durée de vie d'une capsule comme ça, c'est entre 500 et 1000 ans. Donc, on a enfin, du capsule, de l'ADN à l'intérieur, pardon, de l'ADN à l'intérieur de Oui. cette capsule, c'est 500 000 ans. On est donc, voire plus, hein, donc avec, on fait des vieillissements accélérés. Et dans cette capsule, on pourrait stocker plusieurs data centers. Donc, D'accord. on est Ah ouais. sur plusieurs exaoctets de données qu'on pourrait mettre à l'intérieur d'une capsule de ce type-là. Donc ça, c'est en théorie pour l'instant, on le fait pas encore. Alors, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est en théorie sans être en théorie. C'est-à-dire, je m'explique. Dans cette capsule-là, nous, on a stocké plusieurs images. Donc, on a plusieurs mégaoctets de données qui sont stockées à l'intérieur, donc d'images numériques. Quand on fait de la synthèse moléculaire, on ne synthétise pas une. Enfin, si j'ai besoin de coder une image, alors je n'ai pas expliqué, rentrer dans le détail, mais il me faut synthétiser plusieurs brins d'ADN, parce que l'image, elle est formatée, enfin, l'image encodée en molécule, elle est formatée d'une certaine manière. Et donc, on doit encoder plusieurs brins d'ADN. Mais quand je fais une synthèse moléculaire, je sais pas si j'ai besoin de synthétiser 1000 brins d'ADN, par exemple, pour coder mon image. C'est pas 1000 brins que je vais synthétiser, c'est des millions. C'est très redondant. D'accord. Donc, dans cette capsule-là, aujourd'hui, j'ai stocké 5 mégaoctets, mais si je tiens compte de la redondance, en fait, de l'information, en équivalent, on parle de plusieurs milliards de brins d'ADN, hein, donc on est sur des choses, c'est du nanomètre, hein, on est sur des choses extrêmement denses, j'ai l'équivalent de plusieurs exaoctets de données qui sont stockés dans cette capsule. Redondante, des données redondantes, mais effectivement, j'ai plusieurs exaoctets de données qui sont effectivement stockés. D'accord. La difficulté aujourd'hui, c'est plutôt de dire, ben, voilà, j'ai stocké 5 mégaoctets, mais en fait, je voudrais stocker plusieurs exaoctets de fichiers qui sont différents. Soit pas redondant, ouais. Voilà. Et donc, pour ça, il faut agir sur les façons dont on va synthétiser, en fait, l'ADN. D'accord. Donc là, vraiment, dans la capsule que tu nous as montrée, il y a actuellement des fichiers qui sont stockés sous forme d'ADN dans cette capsule. Absolument. Dans cette capsule, voilà, nous, on a stocké à peu près 4-5 images numériques. On Ou des sait, photos ou des. voilà, des photos exactement, donc des Ouais. photos classiques. Donc on sait donc les convertir le binaire en code quaternaire, donc sur les quatre bases de l'ADN, donc A, T, C, G, les nucléotides, hein, donc adénine, thymine, guanine, cytosine. Et donc il y a des sociétés en fait qui font la synthèse ADN moléculaire. Donc il y a plusieurs sociétés en fait donc en France, aux États-Unis, qui savent faire de cette synthèse moléculaire. Donc on fait synthétiser les molécules. Ensuite, on les stocke dans ces capsules. Alors, ces capsules, c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui. Ça, c'est fourni par une société française, hein, qui s'appelle Imagen. On peut stocker dans d'autres types de contenants, hein. On peut stocker dans des microcapsules, par exemple. Donc, on s'intéresse aussi à ça, à essayer de stocker dans des microcapsules en utilisant pardon, de la microfluidique. Et donc là-dedans, donc on a stocké. Et on sait ensuite, en réouvrant la capsule, récupérer l'ADN, le relire au moyen d'un outil qui s'appelle le séquenceur. Et donc ici, j'ai un séquenceur en fait de troisième génération. Donc c'est un séquenceur qu'on appelle Oxford Nanopore. C'est la société qui les fabrique. Donc ici, D'accord, c'est tout petit, je pensais pas. c'est tout petit. Donc ça se connecte à un ordinateur portable. On met ici un petit trou, on va mettre un microlitre contenant de l'ADN. Et puis le système ici va, à travers de ports biologiques en fait, va faire le séquençage, donc va relire en fait les molécules d'ADN, et en sortie, donc grâce à un traitement informatique, on va pouvoir convertir le signal électrique qui sort en fait de cet appareil-là sur les quatre bases ATCG en fait, qui sont écrites dans les molécules que cet appareil-là va lire. Alors cet appareil-là, il est utilisé hein, classiquement dans le séquençage du génome, hein. Donc c'est pas D'accord. spécifique au stockage. Donc on utilise des solutions qui existent dans, je dirais, dans le commerce pour relire ce qu'on a écrit. Et voilà, donc c'est vraiment des choses voilà, très aujourd'hui qui sont, enfin, je dirais, de plus en plus efficaces et de plus en plus compactes en fait, et qui pourront à terme permettre de réaliser des systèmes d'écriture et de lecture d'ADN qui sont extrêmement compacts et automatisés. On prévoit à l'horizon 2030-2035 d'avoir des systèmes de lecture-écriture automatisés
sur support moléculaire. Alors, je tenais juste à montrer ça parce que ça permet de relire des molécules d'ADN. Donc, ça veut dire que tant qu'il y aura de la vie sur la planète et que la vie sera représentée sous forme d'ADN, eh bien, on sera capable de relire les molécules d'ADN parce qu'on aura toujours ce genre d'appareil. Alors, peut-être pas celui-là, des choses qui sont peut-être beaucoup plus sophistiquées, mais qui permettront de relire en fait l'ADN. Si dans 10 ans, même aujourd'hui, vous regardez cette disquette-là, ben, vous n'êtes plus capable de la relire parce que vous n'avez pas l'appareil pour la lire. Et ça, D'accord, oui. c'est quelque chose de très important pour la pérennité en fait du système, c'est-à-dire que on aura probablement toujours un système pour relire les molécules d'ADN. Après, Oui, il parce que faudra les par définition, décoder. on est Comment? fait nous-mêmes d'ADN, par définition, Exactement. C'est ça. Donc tant qu'il et y aura de donc la vie sur les Terre, humains. voilà, on sera a priori capable, enfin, sauf si on perd le savoir, mais si on continue à garder notre savoir et à l'améliorer, eh bien, on sera capable de relire de séquencer de l'ADN. Donc ça, c'est des appareils existants. D'accord. Oui, c'est un gros avantage. Donc Donc ça, ça ne dépend pas de nos intérêts à intenter, puisqu'on aura toujours envie ou besoin de toute façon de séquencer les génomes d'espèces vivantes. c'est ça, exactement. Alors après, il faudra, effectivement, puisque quand on a écrit le code binaire en code quaternaire, il faudra arriver à décoder le code quaternaire pour retrouver le binaire. Mais ça, c'est un problème, je dirais, qui existe aujourd'hui, quels que soient les systèmes de compression. Prenez un codeur d'image JPEG, vous devez co savoir, enfin, connaître le décodeur pour arriver Ah oui. à relire, enfin, à décoder votre image JPEG. Et si on perd le savoir de décoder du JPEG, eh bien, on l'a perdu. Donc il y a des chercheurs qui s'intéressent justement à étudier comment pérenniser cette information de façon à la rendre accessible et intelligible, hein, la façon dont on va la représenter aux personnes dans 10, 20, 50, 100 ans, et à partir de certaines traces, seraient capables, en interprétant ce qui a été écrit, de concevoir un système de décodage, en fait. Donc c'est ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est propre à n'importe quel type d'encodage aujourd'hui. Qui est utilisé pour représenter des données. Oui, en fait, pour lire une vidéo, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit simplement chaque pixel écrit un par un dans le fichier, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe C'est parce qu'il beaucoup faut plus compresser complexe. l'information. Et c'est vrai que si on n'a pas la norme du coup de compression, on peut pas relire Exactement. le fichier. Exactement. D'où l'idée des normes et de la préservation des normes, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à créer une norme de stockage d'images sur ADN, donc dans le groupe de standardisation JPEG DNA. Alors on prévoit une première norme à l'horizon 2025. Alors évidemment, il y en aura certainement d'autres après, mais voilà, l'idée, c'est de dire, bon, bien, quand on va faire de la compression d'images, eh bien, si on utilise la norme, on a des voilà, on sera sur quelque chose de pérenne, en fait, pour le pouvoir être décodé, enfin, dans le futur. Et alors, qu'est-ce qui est différent quand entre établir une norme JPEG pour le format binaire des ordinateurs et le format JPEG pour l'ADN? Alors, il y a quelque chose qu'il faut enfin, savoir, c'est que tout le processus biochimique de synthèse, de stockage et de relecture de l'ADN par séquençage est un processus bruité. C'est-à-dire, par exemple, le séquenceur aujourd'hui introduit du bruit lors de la lecture. On n'est pas capable, il n'est pas capable de relire parfaitement les données. Le stockage peut provoquer des dégradations. On peut imaginer des dégradations qui sont liées au temps, et donc on peut prendre en compte ces dégradations. La synthèse, aujourd'hui, elle est faite parfaitement. Donc on a, sur des petits brins d'ADN qu'on synthétise, on n'a pas beaucoup on n'a pratiquement pas de bruit. Mais on peut imaginer que dans le futur, on veut accélérer les chimies de synthèse pour aller plus vite, on veut écrire sur des brins qui sont plus longs, et bien probablement qu'on aura du bruit aussi à la synthèse. Donc, grosso modo, tout le processus est bruité. C'est exactement pareil que, ben, vous avez votre téléphone portable, vous communiquez avec votre correspondant et votre voix passe au travers d'un canal radio mobile. Ce canal radio mobile, il est bruité. Donc il y a du bruit. C'est-à-dire que si on fait rien au niveau du système d'encodage de la voix, par exemple, si on ne protège pas le son qui sort, en fait, de votre téléphone, votre correspondant ne va pas vous entendre parce que il y a tellement de bruit sur la ligne que c'est plus décodable. Et eh bien on a le même problème, je dirais, sur le stockage sur ADN, c'est-à-dire que le processus étant bruité, il faut, lorsque l'on va
encoder la donnée sous forme quaternaire, la robustifier, c'est-à-dire mettre ce qu'on appelle nous des codes correcteurs d'erreur, donc des systèmes redondants qui vont permettre, lorsque je vais séquencer le signal, qui va me permettre de retrouver l'information que j'ai encodée parce que je sais que j'ai des systèmes de correction d'erreur qui vont être mis en place pour retrouver mon information d'origine. Donc il y a tout le challenge, je dirais, enfin, il n'est pas que biochimique, c'est-à-dire dans l'accélération des synthèses ou l'amélioration du séquençage, mais il est aussi sur les aspects informatiques, traitement du signal et des images, de façon à prendre en compte justement tous ces bruits et à concevoir des systèmes de compression qui sont robustes à ce bruit. En parallèle de ça, je reviens sur une notion que j'avais introduite tout à l'heure, c'est l'optimisation débit-qualité. Ce qu'on veut, c'est que l'image ou la donnée qui est séquencée en sortie du séquenceur soit la meilleure qualité possible et on veut qu'elle coûte, pardon, le moins cher possible. Le moins cher possible en termes ici de nombre de nucléotides ATCG que j'ai dû utiliser pour la représenter. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas parce que l'ADN est très compact et très dense, d'accord, eh bien qu'on peut stocker tout ce qu'on veut sans se soucier de la compression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de données. Les processus d'écriture sur ADN ont une certaine vitesse, on va les accélérer, mais ils vont atteindre une certaine vitesse limite. Et on est obligé de comprimer la donnée si on veut passer à l'échelle, c'est-à-dire si on veut arriver à absorber toute la croissance de la donnée aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'est extrêmement compact et extrêmement dense, eh bien, il faut quand même penser à comprimer la donnée. D'accord. Alors moi, je me pose une question. Tu parles de brin d'ADN. Donc ça veut dire qu'en fait, donc moi j'ai en tête la visualisation de l'ADN comme une longue séquence de nucléotides ATGC. Donc la séquence, c'est le brin. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous synthétisez plusieurs brins. Alors est-ce que c'est plusieurs brins pour un même fichier ou est-ce que c'est plusieurs fichiers par brin? Comment ça se passe? Ouais, c'est plusieurs brins pour un même fichier. C'est D'accord. quand on va représenter sous forme d'ADN une donnée, un fichier. Donc ça va être de manière informatique, ça va être un long signal de lettres ATCG. Alors ça peut être plusieurs milliers de lettres ATCG. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est limité au niveau de la synthèse moléculaire à des brins d'ADN qui sont entre 200 nucléotides et 300 nucléotides, c'est-à-dire 200 ou 300 lettres ATCOG. D'accord. Et donc, moi j'ai un signal qui fait plusieurs milliers de lettres, donc je suis obligé de couper ce signal en morceaux de façon à synthétiser des brins, plusieurs brins pour représenter un signal. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que je dois être capable de retrouver tous les brins pour reconstituer mon signal, et je dois être capable de mettre dans l'ordre tous les brins pour reconstituer correctement mon signal. Donc quand je découpe en morceaux, il faut introduire ce qu'on appelle un formatage de la donnée qui va nous permettre d'avoir un numéro sur chaque brin pour pouvoir l'ordonner et d'identifier chaque brin comme appartenant au même signal à décoder. D'accord, ah oui. Donc il faut par exemple qu'au début de chaque brin, on utilise quelques bases pour indiquer de quel fichier à quel fichier ça appartient et à quel endroit ça se trouve dans le fichier par exemple. Exactement, oui. Oui. D'accord. C'est ce qu'on appelle des méta-informations qu'il faut rajouter sur ces brins pour reconstituer le signal. Au-delà de ça, il faut imaginer que dans une capsule comme ça, par exemple, vous avez des milliers, des millions ou des milliards de fichiers. Donc vous avez donc des milliards de brins qui codent pour des milliards de fichiers. Donc il faut arriver à sélectionner les brins qui correspondent au fichier que vous voulez décoder, enfin en tout cas séquencer, parce que vous ne voulez pas séquencer un data center complet pour retrouver un fichier. Donc il faut faire ce qu'on appelle de l'adressage aléatoire. Et dans ce contexte-là, c'est de l'adressage moléculaire, en fait. On va chercher les brins d'ADN de façon moléculaire qui correspondent à la donnée que je veux décoder. Et donc, dans ces brins d'ADN, dans le format, il faut rajouter ce qu'on appelle des barcodes, c'est-à-dire des mots de code spécifiques qui vont d'une part encoder enfin désigner un fichier spécifique, mais aussi qui vont pouvoir avoir des propriétés telles que lorsque je fais ma recherche moléculaire,
eh bien, et notamment par exemple par amplification PCR, eh bien, je vais pouvoir accrocher des amorces sur ces barcodes et faire mon amplification. Et donc, je vais être sûr que l'amorce va bien s'accrocher. Donc, il faut concevoir ces barcodes D'accord. de façon efficace et avec certaines propriétés. Donc là, c'est de façon chimique en fait qu'on retrouve les Exactement, fichiers de façon que chimique. l'on vise. Alors, c'est à la fois, je dirais, c'est hybride, hein, c'est à la fois chimique et informatique, hein, aujourd'hui, puisqu'il va falloir avoir une structuration informatique de la donnée. Et en parallèle de ça, donc avec des barcodes, tout ça, mais en parallèle de ça, c'est faire un adressage qui est plus purement moléculaire, hein, en biologie moléculaire. D'accord. Et alors, quelle perspective, quelles possibilités tu imagines pour cette technologie à l'avenir? Quelles sont les différentes utilisations qu'on peut imaginer? Alors, l'ADN, en fait, on peut le voir sur plusieurs applications de stockage. Je dirais court terme, moyen terme et long terme. Donc, on est sur des applications court terme, 10-20 ans, pour des documents légaux, par exemple. Donc, sur des données froides qui sont voilà, documents légaux. Sur du moyen terme, donc on est plutôt sur une centaine, voire 500 ans. Donc, pour préserver aussi des informations. Voilà, pour je dirais, des générations futures proches. Mais on peut imaginer aussi stocker, comme c'est pérenne dans le temps, stocker sur des horizons de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Et donc, on est sur trois visions différentes, en fait, de l'utilisation de l'ADN pour le stockage. Et donc, des conceptions de systèmes, d'algorithmes qui sont différentes. Voilà, donc il faut essayer de jongler avec ça. Si on parle du futur, je pense que les étapes clés en fait vont être dans les prochaines années, hein, et j'espère en tout cas d'ici 2030, hein, 2030-2035, que l'on aura des systèmes qui seront des systèmes d'écriture et lecture sur ADN automatisés, miniaturisés, et qui permettront de faire des écritures et lectures beaucoup plus rapides qu'on est capable de faire aujourd'hui, sans intervention humaine, puisque si encore une fois on stocke sur des systèmes comme ces capsules, hein, eh bien il va falloir avoir une intervention humaine pour à la fois créer la capsule et ensuite l'ouvrir pour récupérer l'information. Mais ce type de stockage, par exemple sur la capsule, ça peut être un stockage sur du très long terme. C'est-à-dire une fois qu'on a créé la capsule, eh bien on l'oublie, on la stocke quelque part et on sait que bah, peut-être que dans 5000 ans, on sera capable de l'ouvrir. Si on veut des systèmes plus rapides d'écriture et lecture, pour être concurrentiel aujourd'hui au disque dur, il faut des systèmes qui vont stocker les molécules dans différents systèmes. Alors, je parlais de microcapsules, donc c'est une des pistes, et automatisé en écriture et lecture de façon à avoir des accès, alors peut-être pas aussi rapides que les disques durs, mais en tout cas qui deviennent concurrentiels. Il faut savoir une chose, c'est que on est. Je pense pas qu'on soit prêt à abandonner le binaire au profit du quaternaire, hein, du ATCG. Il y aura une coexistence, hein, des deux, selon le type de données. Peut-être de façon totalement transparente pour un utilisateur lambda qui voudra stocker des données dans un centre de données et qui peut-être utilisera une solution ADN sans le savoir pour stocker ces données froides, dites froides en tout cas, dans le data center. Toi, Marc, ce sujet, ça te tenait à cœur vraiment d'en parler au grand public. Est-ce que, en fait, pourquoi tu souhaites, communiquer sur ce sujet? Oui, alors les raisons sont simples. Enfin, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour montrer que ce n'est pas de la science-fiction. C'est que vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. On sait stocker de la donnée sur des molécules et ensuite on sait la récupérer. Donc maintenant, c'est tout un travail de passage à l'échelle et d'automatisation du système. Mais on sait faire. C'est voilà, c'est pas que dans les films de science-fiction. Un deuxième point, c'est démystifier. Démystifier, pourquoi? Parce que on stocke sur des données, sur des molécules synthétiques. On ne parle pas de vivant. L'ADN que l'on utilise, c'est pas un ADN qui est codant pour le vivant. C'est vraiment du binaire qui est converti en code quaternaire. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre ça pour ne pas avoir peur de systèmes de stockage sur ADN, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Ce sont vraiment des systèmes qui ne portent pas la vie et voilà, on n'aura pas de surprise de ce côté-là. D'accord. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des atomes et on les arrange
pour former, presque pour écrire l'information qu'on a envie d'écrire. Exactement, c'est-à-dire qu'on a les quatre molécules ATCG et puis on va les assembler pour former un nombrin d'ADN, donc une grosse molécule. Et cette molécule-là, eh bien, elle ne représente que l'information binaire qu'elle encode en fait, hein. Elle a été construite pour représenter de façon quaternaire une information binaire. Voilà. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de conséquences en fait voilà, sur le génome en soi. On va pas stocker ces données-là dans l'être vivant. On va stocker dans des systèmes qui sont voilà des capsules ou des microcapsules qui sont propres au stockage de la donnée. Mais cette donnée moléculaire en tout cas qu'on manipule ne code pas le vivant. Voilà, donc ça, je pense que c'est important à bien avoir à l'esprit. Il faut enfin, pas avoir peur de stockage sur ADN ou ne pas penser enfin que le stockage sur ADN, c'est vraiment voilà, ça va toucher le vivant, toucher notre quotidien voilà en tant qu'être humain. Non, ça va voilà, c'est comme aujourd'hui, ben on stocke sur disque dur. Bon ben, je pense que les gens ne savent pas comment ça fonctionne un disque dur ou une bande magnétique. Voilà, donc je pense que stocker sur ADN, ben, ça sera voilà, sur des molécules, ça sera voilà, la même chose. Mais il faut, voilà, je pense que c'est important aujourd'hui d'évangéliser un peu tout ça et de démystifier un peu tout ça. Voilà. Bon, alors on s'approche de la fin. Je voulais te demander comme dernière question, quel est ton positionnement et le positionnement de l'équipe que tu diriges? Donc, je sais que tu diriges le PEPR Molecule Archive. Dans quel contexte ça s'inscrit à l'international, par exemple, et quelles sont les perspectives que tu peux amener là-dessus? Oui, effectivement, donc je suis directeur de programme d'un PEPR, donc programme équipement priorité recherche exploratoire, donc financé par France 2030, qui s'appelle Molecule Archive. Donc c'est un projet financé à 20 millions d'euros sur 7 ans et qui fédère en fait les équipes de recherche françaises sur ces aspects de stockage de données sur des molécules, donc d'ADN ou des polymères non ADN. Donc on est une vingtaine d'équipes en France. Donc à la fois des informaticiens, des chimistes, des biochimistes, des biologistes, des traiteurs de signaux et d'images, donc qui développons des solutions de stockage de données sur ADN. Alors un des objectifs principaux de ce PEPR, c'est justement d'accélérer les chimies de synthèse pour pouvoir justement avoir des solutions de stockage qui soient capables d'absorber la croissance de la donnée aujourd'hui. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, pour écrire un bit sur une molécule, il faut 100 secondes à peu près. Donc, c'est très lent, hein. Donc, si on parallélise ça sur des chips électroniques à 1 million d'électrodes, ça reviendrait à écrire à 10 kilobits par seconde, ce qui est très lent aujourd'hui comparaison au disque dur. Donc, l'idée du PEPR, en fait, de Molecule Archive, c'est d'accélérer d'un facteur 100 les chimies de synthèse de façon à passer de 10 kilobits par seconde à 1 mégabit par seconde en parallélisant, ce qui devient concurrentiel, en tout cas ce qui vient de l'ordre de grandeur en fait des réseaux en fait. Alors ça suffira pas, mais c'est déjà un grand pas en avant vers l'accélération de l'écriture et donc de l'utilisation de molécules ADN pour le stockage de données. Donc ce PEPR en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu un fleuron quand même de la recherche française, hein, puisqu'il regroupe toutes les compétences pluridisciplinaires, donc avec plusieurs projets, quatre projets en fait à l'intérieur du PPR, qui sont en interaction entre eux. L'objectif, c'est d'avoir une force de frappe, alors aujourd'hui française, mais qu'on pousse vers l'Europe, donc franco-européenne, pour faire front à ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec faire front à cette alliance qui s'est créée aux États-Unis, donc la DNA Data Storage Alliance, qui a été créée par des organismes comme Microsoft, Western Digital, donc tout le monde connaît, ou des sociétés comme Twist Bioscience, qui est un leader mondial de synthèse ADN, ou encore Illumina, qui est aussi un des leaders mondiaux de séquençage. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'académiques et d'industriels en fait qui participent à cette alliance, et donc l'alliance en fait. S'intéresse justement au stockage de données sur ADN et essaye de promouvoir en fait des solutions pour ce type de stockage donc pour le futur. Donc l'idée c'est en tout cas d'essayer de développer une solution souveraine qui est européenne qui permettrait
permettra de faire face justement à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Super. Et une toute dernière question que je me pose, c'est est-ce que tu n'as pas peur, ou est-ce que dans la communauté qui fait des recherches sur ce sujet, est-ce que vous n'avez pas peur que le développement d'une technologie qui permette de décupler le stockage entraîne justement aussi une augmentation encore plus exponentielle des données et une utilisation sans Alors, borne, j'ai envie de dire? ça c'est une très bonne question parce que c'est finalement ce qu'on a toujours vu. Hein, et justement, c'était un de mes propos au début de l'interview, c'est que la compression, on aura toujours besoin de compression. C'est-à-dire, on a beau dire les tuyaux de transmission s'agrandissent, la capacité de stockage augmente. Et bon, plus besoin de comprimer, c'est pas vrai, on a toujours besoin de comprimer. Et effectivement, avec des solutions de type stockage sur ADN, on aura encore besoin de comprimer, peut-être même plus, hein, comme tu dis, puisque on aura peut-être tendance à produire encore plus de données. Enfin, la croissance est exponentielle de toute manière. Donc, au-delà du stockage, on se pose déjà la question aujourd'hui, on n'est pas capable de tout stocker, donc il va peut-être falloir jeter des informations. Et c'est peut-être pas un mal de jeter certaines informations qui ne servent à rien plutôt que de les stocker. Donc de toute manière, je crois que malgré tout, c'est une espèce un compromis, hein. La capacité de stockage augmente, la quantité de données augmente, mais pour autant, est-il important de tout stocker ou pas? Et ça, c'est une question ouverte, hein, peut-être une question qui est plutôt des sciences, des SHS, hein, des sciences humaines et sociales, hein, plutôt que des sciences informatiques. Et c'est une très bonne question, en fait. Et j'ai pas de réponse, hein, mais enfin, Ouais. direct, j'ai envie de dire, il faut peut-être, réfléchir à ce qu'on a envie de stocker, et peut-être pas tout stocker, même si on a la capacité de stocker des milliards d'informations, parce que de toute manière, à un moment donné, on sera toujours limité, parce que on n'arrivera jamais à écrire plus vite que la croissance de la donnée, quoi. Donc, même si la capacité augmente, il y a une limite, je dirais, une limite théorique sur les vitesses d'écriture qui font que, il y aura, voilà, on ne pourra pas aller au-delà, quoi. Oui, donc dans tous les cas, ça amène à se poser la question de est-ce qu'on est obligé de stocker telle ou telle donnée, essayer peut-être d'être un peu plus sobre sur ce qu'on stocke, C'est et ça, donc c'est voilà, déjà ça s'ancre dans tout ça. le cas, je pense, sur certains opérateurs de data center, en fait, qui à partir d'un moment, sur des données qu'ils n'ont jamais utilisées, des données froides, signalent aux utilisateurs de toute manière que cette donnée ne va pas être conservée. Donc, je pense qu'il y a, c'est voilà, c'est normal, et il va falloir faire le tri, en fait, dans ce qu'on a envie de garder ou pas. Bon, c'est super, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Je ne sais Merci. pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. J'aurais beaucoup de choses à ajouter, en fait, mais je pense qu'on va déborder la durée Oui, parce de l'émission que. si je devais dire tout ce que j'avais envie de dire. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même très technique toute la partie compression d'image, justement sur laquelle tu travailles, qu'on n'a pas forcément abordé autant que tu le souhaiterais. Effectivement, il y a des parties théoriques, de théorie de l'information qui sont assez pointu, et effectivement, je pense que c'est pas le propos de ce type d'émission. Il y a tous les aspects aussi sur lesquels travaillent les chimistes, en fait, sur les chimies de synthèse des molécules, donc c'est excessivement compliqué. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a le concept semble très simple et beau. Derrière, il y a beaucoup de travail théorique et de mise en œuvre qui est réalisé. Et ça nécessite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet, enfin, un système qui est pluridisciplinaire, hein, puisque on va toucher à différentes disciplines, hein, informatique, chimie, biologie. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt et la force de ce type de solution, et aussi du PPR que je dirige. Bon, bien, merci Marc pour ton temps. Alors cette vidéo, elle a été produite avec PlayAzure Prod. Elle fait partie de la saison 6 des vidéos éco-scientifiques. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller retrouver sur les différentes playlists de la chaîne les autres vidéos qui ont été produites pour cette saison. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Science Click d'ici quelques semaines.